compagnie. On est aujourd'hui dans un spot de graffiti au Luxembourg, à Alerich. C'est légal, donc je peux le dire aisément, c'est au skatepark. C'est quand même un spot vraiment intéressant pour tous les graffeurs. Parce qu'il y a vraiment de la place, c'est légal justement, comme je le dis. Désolé, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Par contre, le bémol, c'est que je connais pas la moitié des graffeurs qu'il y a ici. Donc ça je connais parce que c'est écrit Sader, c'est un pote. Donc ça je connais. Back to Books, c'est un événement qu'il organise. Il y a une petite compétition de graff sur papier. C'est vraiment pas mal. Il y a du Stick. Stick est un graffeur luxembourgeois. Pour le reste, ça c'est du Sader aussi. Que je dise pas de conneries. Normalement. Il y a pas mal de choses comme vous voyez. Il y a toute une partie, tout autour du bâtiment en fait c'est graffé. Là aussi c'est Sader, mais bon avec la voiture on voit pas bien. Un grand mur hein, de bien 15-20 mètres. À l'aise. Là, il y a le Skull, un graffeur de Metz, partie de l'association Une Phase de Style. Je vous mettrai tous les liens dans la description, des Insta et tout, tous les mecs. Tous les mecs que je connais en tout cas. Bon, ça c'est du Naster, Naster Writer. C'est un monstre du lettrage. De quel côté je ne pourrais pas vous dire. Cheb possible. À mon pote Startup, il va voir ça, il va me traiter. Parce que lui c'est l'ultra fan de graffiti. Il connaît tout le monde, il va partout, c'est un ouf du graff. Il va faire le tour de l'Europe pour choper les meilleurs graffitis. Il va me traiter quand je vais pas savoir dire quelques noms, mais bon. Bisous Startape. Là c'est le Skull, hein. Toujours le mec de Metz. Ça je connais, mais qui c'est ça encore. Que je dise pas de conneries. Pas Nask. Alors, il me semble que c'est Nask, mais je suis pas totalement sûr. Hein. Il vient me pardonner. Alors ça je peux pas vous dire du tout ce qui c'est. Mais le cœur y est en tout cas. Voilà, à l'intérieur de ces locaux il y a un gros skatepark pour ceux qui aiment la ride. BMX, skate, tout ce qui bouge, même trottinette si tu veux. Pourquoi pas. Il y a de la place. C'est couvert. Tu peux rider l'hiver, l'été, c'est nickel. Je vous mettrai le lien dans la description. Si le lien est l'IA. Voilà. Je ne sais pas qui c'est. Mais le cœur y est, comme on dit. Hein. Un peu de gribouillis, des voitures, de la Croix-Rouge. Merci pour le boulot que vous faites, les mecs. Ça aussi, hein. Je saurais vous dire que c'est qui c'est. Bon, j'espère que le vent il gêne pas trop dans les micros là, parce que c'est un peu une zone de merde là, on est en pleine ville, plein Luxembourg-ville, il y a beaucoup de vent en ce moment, c'est une catastrophe. Ah, le frangin et son fiston.
de pub de Trump. Notre ami Trump. Un gros bâtard, ouais. Là, il brille. Peinture très brillante. C'est du tout neuf, hein. C'est du 2020. C'est écrit là. 2020 baby. Ça c'est pour vous dire ce que c'est, qui c'est, scrou. Désolé pour ceux qui regardent la vidéo qui connaissent. Je kiffe le graphe, mais je suis pas expert. Hein. Quand même du bon graphe pour les amateurs de graphe. Bon ben ceux qui sont fans que d'urbex, c'est pas la vidéo pour vous les mecs. Ouais, du skater qui traîne, des mecs qui font des œuvres d'art. Ah, tout ça, je ne sais pas qui c'est. Si j'en saurais plus, j'en mettrai dans les descriptions. Ben là, c'est Stick. Il est bien connu sur le côté luxembourgeois. C'est aussi beaucoup de lettrages, des choses comme ça. Il y a une espèce de signe indien, signe chinois, pardon. En fait, cette fresque était faite que de petites photos. J'essaierai de passer plus tard après pour essayer de la voir mieux. Il y a un mec qui était en train de faire des photos là. Ça doit être celui qui l'a fait, je pense. On va aller par là. D'abord. Voilà, il y a encore du masque à côté de quelqu'un d'autre. Masque, hein, c'est beaucoup de lettrage. Ça, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ça, je ne connais pas le style. Dès qu'on change de zone, forcément, on a affaire à d'autres graffeurs. Moi, je connais plus ceux sur Moselle, Lorraine, quoi. J'en connais quelques-uns du Luxembourg, mais pas beaucoup. Voilà, c'est Sader, hein. Le poteau. Un petit Sader,
Il est pas très loin, donc ça doit être son petit terrain de jeu quotidien. Hein. Que ça aussi c'est lui. Break. Break dance mon pote. Je sais pas du tout. Je ne reconnais pas le style. Ouais, beaucoup de graffeurs stylaires qui sont passés sur les spots. Il y a des nouveaux trucs à voir un peu partout. Prochainement, ce sera Nancy. Nancy a été repeint des pieds à la tête. Donc on ira voir ça bientôt. Régional de l'étape. Pour retrouver tous les Insta que je connais en description. Bien sûr, on rend à César ce qui appartient à César. On respecte les artistes. Que ce soit en photo. Oh, fais moins de bruit, hein. Que ce soit en photo, bien, c'est cassé la gueule. Trop bon, c'est ruiné la tronche. Il faut arrêter de picoler. Donc je disais que ce soit en photo ou en vidéo, il faut toujours identifier les artistes. Ça leur fait de la pub. C'est un art pas facile à en vivre. Il y en a beaucoup qui essayent de faire des choses. Il est toujours par terre, hein, et puis il est ruiné. Quoi. Le mec il s'est pété, mais j'ai pété. Donc les mecs, ouais, ils essayent de vivre de leur art. C'est pas toujours facile. Le monde artistique est un monde très dur. Les gens aiment bien, mais ont du mal à lâcher de la thune. Donc encouragez-les. Ils font des trucs pas mal. Vous allez voir leur page. C'est un moyen de les encourager dans ce qu'ils font. Parce que c'est quand même un spectacle quand même incroyable. Ouais, il y a beaucoup de vie dans ce quartier. Ça fait plaisir. Je vais essayer de m'approcher de la fresque avec une photo. Ouais, c'est plein de petites photos. Une planète. Incroyable. On va par là parce qu'il doit y avoir deux trois petits trucs qui traînent encore dans le renfoncement là-bas. Moi je suis le rein, j'ai peut-être un accent à couper au couteau, mais bah, c'est comme ça. Hein. Comme ça, mon grand. Hein. Là, il y a le Grinch. Le Grinch de la Croix-Rouge. Superbe, c'est le plus beau. J'ai même pas vu en arrivant, tu vois. Pourtant, il est visible. Superbe. Ouais, le reste, c'est un peu fini. Voilà pour ce spot d'Urbex.
Voilà pour ce spot de street art. J'espère que ça vous a plu. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche, à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager, à tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que ça tourne, c'est que ça vous plaise. Et bisous la famille, à bientôt.